Question 83. Les races sataniques et autres sujets. Question posée par Johnny en France. Bonjour Sandra, j'aurais quelques questions. Je vais dès que possible acheter votre livre car je trouve que votre enseignement est plus adapté pour moi. Enfin, je comprends mieux. Vous donnez de bons exemples, etc. Et je me retrouve pas mal avec ce que vous dites. Je visionne aussi beaucoup Bernard de Montréal, mais je raisonne beaucoup mieux avec vous. Bref. Sur le site de Supraconscience Vibratoire, elle décrit et elle dit dans ses vidéos que nous serions dans la matrice du Demiurge, les Archontes, etc. Seulement, il n'y a qu'elle qui le dit. Ni vous, ni Bernard de Montréal n'y faites mention, à part l'astral qui nous influence. Pourquoi cela? Comment est-ce qu'on augmente son taux vibratoire? Je n'ai pas beaucoup de pensées dans ma tête, c'est très flou et surtout, j'ai un sifflement permanent depuis mes 18 ans et j'en ai 23 maintenant. Sri Aurobindo parlait de sifflement et éveil, du coup, peut-être avez-vous une idée. Savez-vous si le jeûne est une bonne chose dans ce cheminement de conscience? Je suis quasiment fruitarien, je jeûne beaucoup et je prends beaucoup de plantes. C'est d'ailleurs certainement pour ces raisons que je suis tombé sur Bernard de Montréal. J'ai dû augmenter mon taux vibratoire d'une certaine façon, car j'ai bien compris qu'on ne tombe pas sur Bernard de Montréal ou sur vous par hasard. C'est que quelque part, je suis prêt pour la suite. Je comprends que ma pensée est une communication télépathique inconsciente pour le moment, mais j'ai l'impression que ça ne me fait pas plus d'effet que cela. J'essaye d'analyser chacune de mes pensées, je ne sais pas, je dois mal m'y prendre. Merci pour votre attention Sandra. Bisous, Johnny. Bonjour Johnny. Concernant votre première question, je vous offre une vue d'ensemble. Lorsque la source s'est manifestée, elle a créé l'esprit universel sur le plan supramental. Ensuite, l'énergie universelle a été diffractée pour générer un état de conscience inférieur sur le plan surmental, synonyme de plan mental supérieur. Les esprits sont alors apparus. La diffraction qui s'est produite entre le plan supramental et le plan surmental a généré un excès d'énergie qui n'est pas absorbable par les esprits. Les forces descendantes sont alors apparues sur le plan surmental pour maintenir un équilibre car aucune énergie ne peut être perdue. Différentes races sataniques sont alors arrivées pour se nourrir des énergies résiduelles que les esprits ne pouvaient pas absorber. Parmi ces races, nous pouvons nommer reptiliens mais aussi archontes, gris, etc. Par la suite, les esprits ont diffracté leurs énergies pour créer les égos. L'énergie diffractée des esprits a généré le besoin d'avoir des entités sur le plan astral pour se nourrir de ces énergies résiduelles. Il existe donc en effet deux niveaux de parasitage qui sont possibles, astral et surmental. Cela explique pourquoi une personne qui a un double éthérique sur le plan surmental peut encore se faire piéger et dominer autrui. Concrètement, cette personne peut donc supporter et nourrir différentes races sataniques. Je ne m'intéresse pas à décrire en détail les hiérarchies des races sombres, car cela nécessiterait que j'entre en contact avec leur conscience perverse, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Ce sont des manipulateurs, des menteurs, des tricheurs, des pervers, des dominateurs, etc. Toutefois, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment chaque individu peut se libérer de l'emprise des forces descendantes et libérer sa conscience. Cela passe nécessairement par l'intégration de la loi universelle la plus fondamentale, savoir en tout temps que la pensée vient d'ailleurs. En intégrant cette loi, l'ego ne peut plus se faire désinformer ni par les entités astrales, ni par les races dites sataniques, ni par quoi que ce soit. C'est donc à lui de sortir de sa propre structure psychique involutive. Pour augmenter votre taux vibratoire, entourez-vous de ce qui est sain et beau. Cela dit, l'augmentation de votre taux vibratoire n'est pas nécessairement liée à la création de votre double éthérique. La nuance est importante. Ainsi dit, la création du double éthérique élève le taux vibratoire de l'ego, mais ce n'est pas en élevant votre taux vibratoire que vous créez votre double. Concernant le sifflement que vous entendez, si le sifflement vous dérange, il est important que vous entriez en rapport de force avec votre esprit pour qu'il cesse. Un tel sifflement n'est pas un synonyme d'éveil comme tel, mais est un événement créé par l'esprit pour que l'ego pose certaines actions. Si le sifflement ne vous crée pas d'inconfort, vous pourriez dialoguer avec votre double éthérique pour en comprendre les fondements. Si votre double n'est pas créé ou ne répond pas, ce sifflement devient alors un levier intéressant pour forcer le développement et la communication télépathique bidirectionnelle avec votre double éthérique. Vous me parlez de jeûne, c'est un sujet très intéressant. Bien sûr que le jeûne occasionnel ou intermittent peut être à considérer pour une personne qui est en cheminement de conscience.
Personnellement, je pratique le jeûne intermittent pour permettre à mes organes de se reposer un certain nombre d'heures par jour. Évidemment, le jeûne n'est pas obligatoire, mais il permet une optimisation de certaines fonctions du corps physique. Les personnes qui auront à jeûner le sauront à l'intérieur d'elles-mêmes, car leur corps physique demandera un soutien supplémentaire pour pouvoir suivre le rythme de l'expansion de leur conscience. Une personne qui ne s'occupe pas suffisamment de sa santé est à un risque de vivre un trop grand décalage vibratoire entre sa conscience et son corps, ce qui peut devenir très initiatique. Certes, l'écoute du corps devient un atout important lorsque la conscience prend de l'expansion, car le corps est nécessaire pour vivre la fusion avec son esprit. Mais c'est aussi important de ne pas tomber dans la croyance que le jeûne est essentiel. Au plaisir. Texte de Sandra Vimon. Cet article provient du site www.supramental.biz, voix narrative, Dorian Roméo.